Ils sont près de 8 millions de Hongrois à être appelés à voter aujourd'hui pour les élections législatives. Un scrutin qui, sauf énorme surprise, devrait être dominé par le parti du Premier ministre, le Fidesz. L'homme fort de la Hongrie, Viktor Orbán, est venu voter tôt ce matin à Budapest accompagné de sa femme. S'il pourrait l'emporter avec 20 à 30 points d'avance sur ses concurrents, le vrai enjeu de cette élection pour Viktor Orbán est peut-être le taux de participation et l'ampleur de sa victoire. Lors de ses deux précédents mandats, il avait remporté une super majorité, lui permettant d'avoir les coudées franches au Parlement. Côté opposition, le centre et la gauche avancent désunis. Ils n'ont pas réussi à s'entendre sur des candidats communs. Quant au Jobbik, le parti d'extrême droite anti-européen et xénophobe, selon les sondages, il pourrait s'imposer comme la deuxième force politique du pays.